Voici David. Il est apprenti électricien en deuxième année. Salut David. Bonjour. Dis-nous tout. Que fait un électricien? Un installateur électricien, il installe des lampes, des lecteurs, des tableaux électriques, de l'appareillage électrique, puis tout ça, c'est des travaux à basse tension. Ça, c'est très cool. À qui convient ton métier? Faut être une personne cool. Et puis, faut être assez bon en pratique. Quels sont les trois outils les plus importants dans ton métier? Ma pince universelle, ma pince coupante, et puis ma pince à dénuder. Ok. Lequel est le plus important? La pince à dénuder. À quoi sert-il? Avec cet outil, je peux dénuder des fils. Avec ça, je peux raccorder des prises et puis faire des raccordements de tableaux. Super. Quelles sont les perspectives d'avenir d'un électricien? Après avoir fait ce CFC, les différentes perspectives sont être chef d'équipe, chef de projet ou bien faire la maîtrise fédérale. Dedans ou dehors? Dehors. En solo ou en équipe? Genre d'équipe. Tournevis ou stylo? Tournevis. En dehors de ta formation, as-tu du temps pour les loisirs? J'essaie d'avoir un peu de loisirs et de temps libre pour mes amis. Et l'apprentissage compte quand même un peu plus que les loisirs. En quoi le métier d'électricien est-il idéal? L'électricité, ça appartient à l'avenir. Donc c'est très utile dans la vie. Merci David.